Bonjour et bienvenue dans Grenadine, votre magazine de sport extrême en région grenobloise. Pour cette édition, nous sommes sur le plateau des Petites Roches, à Saint-Hilaire-du-Touvet, spot bien connu des paraventistes, car il accueille chaque année la célèbre Coupe Icare. Pour le programme, aujourd'hui, un spot de VTT perché dans les arbres, l'actualité de la semaine avec l'arrivée de la neige tant attendue par les riders, et enfin, le portrait de deux frères qui ont déjà un très beau palmarès. Tout de suite, nous partons sur les berges de l'Isère, à la découverte d'un bike park à l'abri des regards. Le 218 Trail est un spot de VTT dirt qui se situe dans la vallée du Grésivaudan. Florian Banos et Franck Paulin, deux riders locaux, nous ont réservé une visite guidée. Donc moi, ça fait 10 ans que j'ai commencé ce spot. J'ai commencé à chaper avec un collègue. On était juste deux en fait. On avait besoin d'une bosse en fait pour s'entraîner à faire des figures, une bosse molle. Et vu que ça, c'est du sable, en fait, c'est du limon. Ça se tasse jamais et en fait on peut tomber dessus sans se faire mal en fait. On a trouvé ça génial. Puis au fur et à mesure on a grossi jusqu'à rencontrer des gars qui avaient un niveau largement au-dessus de nous. Donc il y a eu Franck, il y a eu d'autres gars, Maxime Pétieux et tout. Et on a pu créer quelque chose de plutôt gros et de plutôt bien pour s'entraîner. Ouais. Mais les riders sont confrontés à quelques difficultés auprès des autorités locales. Au niveau des assurances, en fait, on n'est pas assuré. C'est un terrain qui est pas légal. On croise les doigts, mais ça fait 10 ans que la mairie, en fait, elle tolère ce terrain. Elle tolère juste. Donc, en fait, si quelqu'un se fait mal et qu'on appelle les pompiers, bah, les pompiers, ils viennent. C'est sûr que si on se faisait mal tous les jours, qu'on appelait les pompiers une fois par mois, là, on n'aurait plus le terrain. En fait, sur 10 ans, les pompiers sont venus que 4 fois. C'est vraiment rien, même par rapport à d'autres sports, c'est rien du tout. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils tolèrent aussi. On arrive à garder le terrain propre, on fait pas de conneries, on coupe pas tous les arbres. Parce qu'en fait, on a déjà lancé les démarches pour le rendre légal, enfin surtout Banos, créer une association, tout ça, avoir les assurances. Sauf que vu que c'est, comme on disait, il y a l'Isère juste à côté, c'est un terrain inondable, et donc on peut pas l'assurer. Et à partir de là, un terrain qu'on peut pas assurer, tu peux pas créer d'association. Et donc en fait, ça bloque tout juste à la base. À la base, quoi. Nous, quand on a commencé le terrain, on a commencé par cette ligne-là, là, qu'on appelait ça. C'est une ligne qui est plutôt typée trail. En fait, c'est juste que les bosses sont plutôt raides. C'est récep raid avec kick, enfin la prise d'élan raid. On a celle-là, par exemple, la première fois qu'on l'a fait, elle était vraiment toute petite. La bosse faisait notre hauteur. On a commencé à s'éclater. Je crois qu'on avait creusé la matinée, l'après-midi, ça roulait. Et on a pu vraiment se jeter dessus directement. Puis voilà, au fur et à mesure, on a grossi, on a fait une deuxième, on avait fait une troisième, un virage. Et ensuite, voilà, on a voulu faire une ligne retour qui revient sur la digue. Comme ça fait vraiment un circuit où on peut rouler non-stop, en fait. Un petit coin de paradis fait main qui, on l'espère, continuera à entraîner nos champions régionaux. Voilà un spot qui donne envie d'aller enfourcher son dirt. Et maintenant, l'actualité de la semaine avec les 40 cm de neige tombés sur le plateau des Petites Roches. Il n'en fallait pas plus aux amateurs de poudreuse pour chausser leur ski de rando. Un exercice physique à moins de 20 km de chez eux, le bonheur pour les jeunes sportifs de Saint-Hilaire-du-Touvet. Massif de la Chartreuse, ce groupe de jeunes alpinistes s'apprête à abattre du dénivelé. Une heure de montée, pour 10 minutes de descente, mais le plaisir reste le même. C'est bien tombé en Chartreuse. Ouais. Ouais, quand même. On est... Plus qu'en face, sur Beldon. Pour là, ouais, par exemple, pour aujourd'hui, ouais. Le matos de sécurité, c'est le minimum, c'est Arva Pelle Sonde. Une sonde pour, si jamais il y a quelqu'un sous la neige, le trouver. Et une pelle pour le déterrer. Avant qu'on parte, avant qu'on fasse notre montée, en général, on check entre nous nos DVA, pour voir s'ils sont bien allumés et qu'ils marchent. C'est important. Parce
que ça arrive soit déjà qu'il n'y ait plus de piles, soit que même il y a un DVA qui ne détecte plus un autre DVA, ou alors qu'ils n'émettent plus d'ondes parce que ça marche par. C'est un système d'ondes en fait. Ces jeunes skieurs suivent une formation toute particulière, celle du sport-études. Grâce à leur temps libre, ils peuvent profiter d'aller skier sur ce que l'on appelle l'or blanc. Après s'être accordé une petite pause au sommet pour contempler les magnifiques paysages des Alpes, il est l'heure d'enlever les peaux de phoque et de profiter de la descente. En voilà de jeunes chanceux. De la poudre aussi tôt dans l'année, il faut en profiter. Pour le prochain reportage, nous vous avons réservé une interview qui sent bon la magnésie. En effet, les frères là-devant nous ont accueillis pendant un de leurs entraînements et nous y avons découvert deux jeunes grimpeurs déterminés et des projets plein la tête. Du coup, nous, c'est les frères là-devant. Moi, je m'appelle Tristan, je suis le plus âgé, j'ai 22 ans. Et moi, c'est le plus jeune, je suis Luna là-devant, j'ai 19 ans. Depuis une dizaine d'années, on est passionné par l'escalade et tout ce qui est sport de verticalité en général. Et c'est vrai que depuis maintenant un bout de temps, on essaie de se professionnaliser de plus en plus dans ce domaine. Notre niveau, il évolue, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, pour être professionnel, il y a tout plein d'autres choses autour de ça, la communication, avoir des relations avec les marques autour de nous, dans le milieu, et puis même envers les autres athlètes, on doit. Voilà, il y a tout un autre schéma, un autre écosystème que juste. Une autre dimension, ouais. Voilà. On va dire que pour l'instant, sur le côté financier, on va dire qu'on est semi-professionnel, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des rentrées financières quand même conséquentes là-dessus, mais on va dire que ce n'est pas suffisant parce que c'est un sport où on a besoin de beaucoup de finances. Pour le matériel, pour les déplacements, pour justement payer le staff, tous ces trucs-là. Donc en fait, on commence à faire rentrer pas mal d'argent, mais c'est pas encore suffisant pour rentrer dans notre budget annuel. Sortir un salaire, en fait. Alors ben elle vient de par des fois les rentrées d'argent des compétitions, mais surtout par les sponsors qui nous soutiennent soit pour les compétitions et pour le palmarès de compétition, mais aussi pour tout ce qu'on fait à l'extérieur et nos projets en outdoor, nos expéditions à l'étranger, ou par exemple un projet d'une voie dure en France ou n'importe quel projet qu'on peut monter, parce qu'il y en a toujours des nouveaux à faire. Ouais. T'étais légèrement trop à gauche. Faut l'avoir là. Et là, t'en as un sous le pied aussi, si tu veux. Non. Ouais, mais celui-là, je peux pas le valoriser. Okay. Ouais, là. Ah, il monte. Sinon, ramène dessous le pied, là. Le pied dessous, plutôt, du coup. Vas-y. Ouais, il est là. Depuis pas mal d'années maintenant, ça commence à faire un gros palmarès qui est bien long. Je dirais que les plus belles places qu'on ait fait, c'est on est plusieurs fois champion du monde jeune, puis champion du monde jeune de vitesse aussi. Gagné deux fois le classement général des Coupes d'Europe senior, ouais. 8 ou 9 Coupes d'Europe. On a gagné le classement général des Coupes du monde senior l'année dernière, en devenant ouais. Le plus jeune à avoir jamais remporté une Coupe du monde et le classement général. Qu'est-ce qu'on a en notre palmarès ouais, c'est et avant des victoires en Coupe de France d'escalade quand on était plus jeune. Voilà, cette émission touche déjà à sa fin, mais ne vous inquiétez pas. Lors de la prochaine édition, nous irons à la découverte du snowpark des Sept-Lots, classé parmi les meilleurs de France. Nous aurons aussi le privilège d'interviewer le champion du monde de parapente acrobatique, de quoi faire le plein d'adrénaline. En attendant, portez-vous bien et bon ride à tous !